Mesdames, Messieurs, chacun en vos titres et qualités, soyez les bienvenus. Madame Marlier et votre famille, soyez les bienvenus. Nous nous connaissons, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Enfin, nous sommes enfin retrouvés aujourd'hui pour la première fois. Nous pouvons nous réunir. C'est aussi un grand moment. Et ce n'est pas n'importe quel moment. Nous allons aujourd'hui fêter l'anniversaire de Monsieur Marlier. Nous avons dû le reporter. Et bien voilà, aujourd'hui nous avons le soleil. Commémorer signifie se souvenir. Tel est le sens que nous voulons donner à la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui. À tous, nous voulons rappeler la naissance, il y a 90 ans, de Marcel Marlier. Mes premières pensées vont à sa famille. Les moments présents lui reviennent par priorité. La naissance relève de la sphère privée. Tout au long de la vie, les anniversaires se célèbrent entre parents, amis et proches. Après que l'être cher a disparu, son souvenir appartient à ce cercle intime. En ce jour, je veux donc assurer la famille de Marcel Marlier de ma plus vive sympathie. Une commémoration implique une vision publique et officielle, marquée par une certaine solennité. Je remercie la famille de Marcel Marlier de nous permettre cette perspective. Je lui sais gré de partager son souvenir avec le plus grand nombre. Le talent et le génie ont fait de Marcel Marlier une personnalité connue et admirée. Marcel Marlier laisse un souvenir impérissable à chacun de ses lecteurs. L'Académie André Mauroy, saluant Victor Hugo, disait « Le plus grand poète est celui qui rêvait d'une forme parfaite les sentiments les plus simples. » Incontestablement, Marcel Marlier est un poète. La bande dessinée vous paraît simple? Eh bien, il s'agit pourtant du 9e art, séduisant par sa particularité et sa variété. La BD s'est imposée grâce à ses plus illustres représentants, dont Marcel Marlier. Les histoires de Martine vous semblent légères. Petite parenthèse, sincèrement, celui qui va sortir, il est loin d'être léger. Sincèrement. L'univers de Martine n'est pas aussi cadré qu'on le pense. La petite fille défend un goût réel pour l'aventure, la découverte et l'autonomie. Elle est dynamique et toujours en mouvement. Une aventurière du quotidien. Elle est ce que nous tous, petits et grands, femmes et hommes, cherchons à être. Une commémoration, c'est aussi l'apanage d'un sérail et d'une population. Je voudrais, en ma qualité de bourgmestre et mes collègues ici présents, épingler la fierté des habitants de l'entité moucronoise. Marcel Marlier est un des nôtres, c'est une source de satisfaction. Ce qui enchante davantage encore, c'est la concrétisation matérielle de cette appartenance. Ce centre Marcel Marlier est une pure merveille. Il y a eu la bonne idée de se blottir au cru du Château des Comtes, cette autre merveille qui représente si bien la ville. Mon voisin, quelle chance! L'endroit a un puissant pouvoir d'attraction, il est une lumière qui capte les regards, une étoile qui guide les visiteurs. Herzotois, Dottignens, Luynois, Moucronois, nous sommes fiers de Marcel Marlier. La présente commémoration nous convoque tous, famille, lecteurs et admirateurs et nos concitoyens. Elle serait inachevée si elle omettait l'indispensable témoignage pour la postérité. La statue tiendra ce rôle.
l'œuvre à elle seule compte l'histoire. Sa petite fille et son fils l'ont inspirée. La statue est Marcel Marlier. Une plaque sera dévoilée. Elle sera scellée à Herzogar, rappelant ainsi l'enfance et l'esquisse de ce qui sera un parcours hors du commun. Elle fera l'écho de la statue. Celle-ci restera l'ombre du château, là où s'inscrit la mémoire d'un homme et sa création, unis à jamais dans une formidable destinée. Il y a aussi cette capsule temporelle qui ne pourra être ouverte qu'en 2110. Désolé, nous ne serons plus là. Elle gardera précieusement des témoignages destinés aux générations futures, et c'est ce que nous espérons. L'art se distingue des autres productions humaines parce qu'il résiste au temps. Marcel Marlier a toujours été notre plus bel ambassadeur. Il l'est aujourd'hui, il le sera encore demain, pour longtemps. Merci à la famille de Marcel Marlier. Merci Madame Marlier pour son grand intérêt pour notre entité. Merci aux éditions Casterman pour leur soutien à la présente initiative. Merci à Osvaldo Paris pour la réalisation d'une statue à laquelle il a offert toute son âme d'artiste. Je lui céderai donc la parole à la fin de mon intervention. Merci aussi au Centre Marcel Marlier et au Réseau des bibliothèques publiques pour l'organisation de l'événement. Maud, merci beaucoup. Karine, merci. Merci à toute votre équipe. C'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence et pour votre perpétuel engouement à conjuguer Moucron au passé, au présent et au futur. Belle journée à tous. Bonjour à tous, merci pour être là. Aujourd'hui, en célébrant l'enfance, Marcel Marlier, il a illustré et figé l'enfant, comme le riz, le jus, l'innocence, la tendresse, la curiosité, le peur, les rêves d'enfant. Ce sont des sentiments de notre âme d'enfant, lorsqu'on peut tout identifier. Dans sa première œuvre, en 1954, dans « Martine à la ferme », il met en valeur chaque enfant qui vit en nous et c'est pour cela que nous devons honorer la génération présente et future. En tant que peintre et sculpteur, et dans ma vision, les crayons est une pièce indispensable de l'œuvre avec laquelle il a transmis ses plus sincères sentiments. Et c'est pour cela et pour ces raisons que j'ai mis en valeur en la recouvrant dans des feuilles d'or. Je tiens à remercier François, son fils, qui m'a donné l'honneur de poser pour moi et c'était, il ressentit la magie, l'amour, le respect, et c'est ça qui m'a inspiré pour la réalisation de la sculpture de son père. Je remercie à Dieu, à la famille Malière, Madame Casterman, Madame Brigitte Hubert, bourgmestre, la directrice du Château des Comptes, Maude, j'ai disparu, je ne la vois plus, les autorités communales surtout, et toutes les personnes qui ont contribué à la finalisation de ce projet. L'aboutissement de cette œuvre, ça me rend fier d'être moucronois et de faire partie de l'histoire en laissant un peu de ma personne dans le patrimoine culturel de notre ville. Sans oublier aujourd'hui, bonne fête de père à tous. Voilà, bonjour à tous. Hein. C'est difficile d'encore rajouter des choses après tous ces beaux discours.
Évidemment, je voudrais remercier tout le monde, Brigitte Aubert, toute l'équipe, Laurent Ardouin, Michel Franceuse, tous les gens qui ont contribué, Maude, depuis des années maintenant, à faire vivre ce magnifique projet. Voilà, mon papa aurait été très très fier. Jean-Louis, mon frère, qui nous a quittés malheureusement trop vite, aurait été très fier aussi. Il a travaillé énormément pour tout ça. Son épouse et ses petites filles peuvent être fiers de leur papa. Il a fait un travail extraordinaire. Il prenait tout ça à cœur. Ben voilà, papa était quelqu'un de très modeste. Il a toujours travaillé avec tout son cœur. Et puis, après 70 ans, ben, je pense que c'est toujours un succès dans le monde entier. Et il a permis à plein de gens encore de rêver. C'est plein de beauté, de bonté, de générosité. Et voilà, contrairement à beaucoup de détracteurs de Martine qui ont dit bah, c'est pour le bas peuple. Les Romains disaient déjà vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le bas peuple, c'est peut-être pas si mal que ça. Et puis, on est arrivé à un peu un mythe. C'est extraordinaire. Papa a toujours été modeste. Mais je pense qu'il est parvenu à transmettre dans le cœur de plein de petits-enfants ce goût de la beauté, de la bonté, de la générosité dans un monde qui n'est pas toujours très joli. Mais finalement, les enfants auront bien d'autres occasions de s'apercevoir que voilà, le monde est moins joli que prévu. Mais, et finalement, on a... Voilà, Céline Charvet, la directrice d'édition Casterman, va vous en parler aux détracteurs de Martine qui disaient que c'était du bas de gamme. On a un titre qui sort pour le moment de Martine visite le Louvre. Et voilà, je pense que Martine fait son entrée dans la cour des grands. Céline va vous en parler. Merci à toute l'équipe. J'ai sûrement oublié plein de monde, mais voilà, de tout cœur... Ça nous touche énormément. Merci à vous. Chère Madame Marlier, cher François, chère famille de François, petits-enfants de Marcel Marlier, Madame Aubert, Monsieur Ardouin, Maude et toute l'équipe du château, c'est une grande joie d'être parmi vous aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons la mémoire de Marcel Marlier aux côtés de sa famille. Pour elle, il a été un mari, un père, un grand-père exceptionnel. Et tout ce que vous m'avez toujours dit de lui me fait regretter de ne pas l'avoir connu. J'aurais vraiment aimé le connaître, cet homme. Pour les éditions Casterman et surtout pour des millions de lectrices, des enfants qui sont devenus des mamans, voire des grands-mères, voire des arrière-grands-mères, il était le père de Martine, un père généreux, attentif et incroyablement talentueux. Il a créé avec Martine un personnage si vivant qu'elle a su traverser plusieurs générations en donnant à chacune l'impression et le sentiment très spécial qu'elle était comme un membre de sa propre famille, s'inscrivant dans son imaginaire, dans ses souvenirs, en un mot, dans son enfance. Et d'ailleurs, c'est finalement ce qu'elle incarne peut-être le mieux et le plus, c'est l'enfance universelle, empreinte de valeurs totalement essentielle et totalement précieuse, la joie de vivre, la curiosité, la bienveillance, l'innocence, l'amour de la nature, l'ouverture et la tolérance. C'est sans doute ce qui explique le mieux la magie de sa pérennité. On se transmet Martine de génération en génération comme un cadeau, comme un trésor. Et l'éditrice que je suis peut vous dire à quel point ce phénomène est unique. Aucun autre personnage que Martine n'a connu de près ou de loin un destin aussi exceptionnel sur plus de 67 ans. Casterman a l'honneur d'être la maison de Martine. Elle est pour nous, comme pour chaque membre de cette autre famille, un grand motif de fierté et aussi une source de la responsabilité qui est indissociable de cet honneur, celle de faire vivre Martine dans le temps, à travers un travail quotidien, pour proposer des livres variés et créatifs et des opérations qui parlent aux enfants et aux parents d'aujourd'hui en s'appuyant toujours sur l'œuvre remarquable et inépuisable de Marcel Marlier qui, elle, n'a pas pris une ride comme son héroïne. Ce travail, nous le menons en belle entente avec sa famille. Je l'ai mené avec Jean-Louis, avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui est parti trop tôt. Je le mène aujourd'hui avec François et puis depuis toujours avec Madame Marlier depuis que je travaille chez Casterman. Ils font vivre l'œuvre de Marcel Marlier.
Aujourd'hui, Marcel Marlier reçoit un hommage particulier avec vous tous qui êtes réunis pour cette journée. Elle va en recevoir un autre exceptionnel très prochainement. Nous sommes fiers et très heureux pour lui, pour sa mémoire, pour lui et pour toute sa famille, de vous annoncer la sortie dans exactement 13 jours du prochain album de Martine qui l'emmènera, François vous le disait, visiter le Louvre. Marcel Marlier y côtoiera les plus grands peintres, de Léonard de Vinci à Delacroix, le radeau de la Méduse, la liberté guidant le peuple, les saisons d'Archimboldo seront reproduites à côté des personnages de Martine. On ne pouvait rêver plus belle reconnaissance du travail de toute une vie et plus beau cadeau pour son 90e anniversaire. Je suis très heureuse de vous offrir ce premier exemplaire qu'on vient de recevoir, qui est tout chaud aux sorties de l'imprimeur, Madame Marlier. Donc il sera le 26 juin en librairie et je vous invite à le découvrir parce que c'est un très bel album. Merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite une très belle journée. Voilà, donc eh bien, je ne vais pas être redondant et répéter évidemment tous les éloges qui ont été fournis et dictés ici aujourd'hui par les différents intervenants. Juste faire ce clin d'œil aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'on devait au mois de novembre fêter les 90 ans de Marcel Marlier, mais aujourd'hui est un jour particulier puisque c'est la fête des pères. Et quel plus beau père que celui de Martine, évidemment, le papa de Martine que l'on peut célébrer aujourd'hui. Et voilà, ce petit clin d'œil, évidemment, qui était important. Et moi, en tant que papa, bah, c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi d'avoir des Martines dans les mains et de le lire à mes enfants, à ma fille quand elle avait quelques années, à mon fils un peu moins, j'avoue, mais en tout cas à ma fille, et qui l'a lu avec beaucoup de plaisir. J'ai les albums à la maison. Et jamais j'aurais pensé un jour d'avoir eu cette chance, ce privilège de rencontrer Madame Marlier et la famille François. Et j'étais tout intimidé quand je suis allé il y a 2 ans, 2 ans et demi dans votre maison du côté de Froyenne, en me disant je vais retomber sur ceux des gens qui sont quand même impressionnants. Et j'ai rencontré moi une famille qui est vraiment modeste, simple, humaine, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, Monsieur Marlier disait tout à l'heure que son papa était modeste, et cette modestie se trouve encore toujours donc dans la famille Marlier. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait votre connaissance et très content aujourd'hui de pouvoir inaugurer cette statue et de rendre hommage à votre papa qui est aujourd'hui fêté symboliquement, plus particulièrement, mais tous les papas également que nous sommes et qui avons eu un album de Martine à un certain moment dans les mains. Parce que nous avons dû lire ça à nos enfants avec beaucoup de joie et de passion, avec la joie et la passion qu'a certainement eu votre papa. Alors j'ai quelques remerciements à faire. Alors d'abord remercier M. Franceux, mon prédécesseur, parce que c'est vrai que le Centre Marlier, s'il est ici et si aujourd'hui on peut célébrer Martine, c'est aussi parce que en tant qu'échevin à l'époque, il y avait fait son cheval de bataille et il a dû pouvoir inaugurer ce centre, donc merci à lui. Merci donc. Alors j'en parlais, merci bien évidemment à la famille Marlier parce que évidemment c'est un soutien important et les rapports sont très bons et cordiaux avec la famille. Donc merci en tout cas de votre confiance que vous faites ici à la ville de Moucron pour les différentes manifestations que nous organisons. Les éditions Casterman aussi, un très bon et cordiaux rapport que nous avons, donc merci également à vous. Merci à toute l'équipe, Maud en a parlé, l'équipe du Centre Marlier et de la bibliothèque qui ont travaillé alors avec tous les aléas, puisque c'est une année et demie un peu spéciale que l'on a connue, et donc organiser une manifestation, puis devoir l'annuler, puis devoir la reporter, puis devoir peut-être la faire, peut-être pas, peut-être à 25, peut-être à 15, peut-être à 400. Donc c'était pas facile, on a dû revoir sa copie régulièrement, mais en tout cas aujourd'hui on y arrive, et donc bravo Maud et bravo à toutes les équipes évidemment qui ont travaillé
travaillé sur ce projet un peu fou hein, aussi, et qui a été suivi par notre ami Osvaldo, donc grazie mille Osvaldo, donc d'avoir su traduire et voilà l'œuvre, parce que c'est vrai que c'était pas évident, comme le disait Monsieur Marlier, il faut pouvoir travailler sur un personnage vivant, c'est pas quelqu'un de fictif, et on, sans l'avoir connu, on travaille bien à partir d'une photo. Alors je me rappelle du tout début quand on s'est dit comment on va travailler, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence, à partir de quoi. Et heureusement, ben là on parle de la fête des papas, mais là c'était la fête du fils, puisque grâce à la patience du modèle de François, donc qui s'est prêté avec également la petite fille, donc qui ont posé tous les deux, donc pour pouvoir rendre vie à Marcel Marlier. Et tout à l'heure on verra le résultat impressionnant de la statue de Osvaldo. Alors merci à tous les Moucronois. Je pense que évidemment on aime Marcel Marlier et on aime l'œuvre de Martine à travers le monde, mais je pense que les Moucronois sont fiers. Les Moucronois sont des gens qui sont très attachés aux gens passionnés. Et quand on est très fier évidemment de pouvoir dire voilà, Marcel Marlier, son histoire, l'histoire de Martine, elle est commune à celle de Moucron. Donc merci à tous les Moucronois qui sont passionnés de l'œuvre de Marcel Marlier et qui continuent de perdurer le formidable patrimoine de l'illustrateur. Alors merci à toutes les personnes impliquées de loin, alors je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas toutes les personnes impliquées de loin ou de près à ce beau projet. Et merci, on l'a évoqué tout à l'heure avec Maud, merci à la PEDAF également. Donc quand on l'a sollicité il y a plusieurs semaines, eh bien directement ils ont répondu présent, comme ils le font chaque fois quand on a besoin d'eux. Donc merci également donc à Nathalie aujourd'hui qui est là pour signer. Alors, concrètement, pratico-pratique, plusieurs choses sont au programme aujourd'hui. Alors, il y a des trous ici dans cette cour. Alors, ce n'est pas des grands travaux. Chez Camoucron, on a beaucoup de travaux en ce moment, mais non, je vous rassure, ce n'est pas un trou parce qu'on est en train de refaire l'égouttage ou autre chose. Non, c'est le trou pour tout à l'heure accueillir cette capsule temporelle dont on va parler tout à l'heure. Et donc, n'ayez pas crainte. Ne tombez pas dedans, mais tout à l'heure, nous aurons l'occasion de pouvoir enfuir, en tout cas recevoir vos messages qui seront enfuis dans cette capsule temporelle et qui sera ouverte dans 90 ans, l'âge de Marcel Marlier. On va tout à l'heure aussi dévoiler la plaque hommage, une plaque qui est ici et donc qui rend hommage à Marcel Marlier, qui sera posée dans les prochains jours à sa maison de naissance, donc du côté d'Herzogard. Alors on a également, avec la Maison du Tourisme, organisé un parcours QR code, donc déjà l'année passée. Donc il y a plusieurs parcours QR code qui ont été créés, dont un sur la thématique de Marcel Marlier. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Maison du Tourisme pour pouvoir faire ce petit parcours. Et aujourd'hui, évidemment, ben, le clou du spectacle, on va dire comme ça, le clou de la journée, c'est l'inauguration de la statue. Dans quelques minutes, je vous donnerai les consignes par rapport à ça. Les 90 ans de Marcel Marlier, c'était aussi l'édition, on a parlé de cette édition qui va sortir dans 13 jours donc au Louvre. Eh bien, avant ça, en tout cas, Martine a visité Moucron, puisqu'on nous avons sorti avec le syndicat Initiative une édition spéciale Martine visite Moucron, qui est toujours disponible au syndicat Initiative, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est parti comme des petits pains, donc, et tant mieux. Et donc merci évidemment aussi aux éditions Casterman de nous avoir permis de réaliser ces bels ouvrages. Et on a, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de la visiter également, l'exposition temporaire, donc jusqu'au 27 juin. Donc il y a une vingtaine de dessins originaux qui sont prêtés par la famille, que vous aurez l'occasion d'admirer donc, dans la salle dédiée aux expositions temporaires. Et alors cet après-midi également, donc un petit parcours qui sera proposé aux visiteurs, donc un parcours sur les traces de Marcel Marlier, donc l'occasion en bus de découvrir les lieux importants qui ont jalonné l'enfance de Marcel Marlier, donc son lieu de naissance, son école, la ferme et d'autres lieux que vous découvrirez tout à l'heure. Alors je vous parlais de cette capsule temporelle, eh bien, dans quelques instants nous allons recueillir les différents messages, mais je vais demander donc à la petite Margot, je ne sais pas voilà qui est là, qui va venir lire le premier message qui va être mis dans cette capsule temporelle, cette capsule que l'on va enfouir, alors ce sera dans le courant de la semaine prochaine pour des questions techniques, mais en tout cas qui sera enfouie et qui va être décellée dans 90 ans. Je te passe la parole pour dire ce que tu vas y mettre toi. Pour que ceux qui seront, voilà, tu seras peut-être là, toi, moi plus, mais tu seras là, toi, dans 90 ans, et tu pourras dire, ben voilà, le mot que tu as écrit aujourd'hui, on va le découvrir dans 90 ans. Je te laisse le micro. En l'an 2000,
Dans le cadre de la célébration du 90e anniversaire de la naissance du herzotois Marcel Marlier, illustrateur de la collection Martine, diverses animations ont été programmées, dont notamment l'enfouissement de cette capsule temporelle que tu viens d'ouvrir. Bravo et merci. Pour quelle raison ? Marcel Marlier, ayant fréquenté dans son enfance l'école primaire du Christ-Roi à Herzot, c'est aux élèves de 5e et 6e primaire de ce même établissement scolaire qu'il a été demandé en 2020, après s'être imprégné de l'univers de Marcel Marlier, de s'exprimer sur leur vision de la vie quotidienne dans 90 ans. Via un atelier d'écriture mené par du personnel de la bibliothèque de Moncron. Sache qu'au moment de l'enfouissement de cette capsule, la population entière était masquée, car depuis mars 2020, une crise sanitaire mondiale avec un taux de mortalité considérable en raison de l'épidémie du Covid-19 a amené à plusieurs reprises les gouvernements à prendre des mesures strictes et même adopter des périodes de confinement. L'ambiance anxiogène de cette période ne nous a pas empêchés de mener ce beau projet. À toi maintenant de comparer avec ton réel d'aujourd'hui. En espérant que depuis, le monde n'a plus été frappé par une telle épreuve et que Martine continue de faire rêver petits et grands, en 2020, elle était encore la 6e licence mondiale en littérature de jeunesse. Pour lui rendre hommage, un parcours d'expo interactif de 800 mètres carrés est installé au Château des Comtes depuis 2015. Peut-être que sa statue trône encore dans les jardins du château. Elle qui tient une place particulière dans le cœur des Moucrenois et pas seulement à cause de sa renommée mondiale. Je laisse l'honneur à Madame la Bourgmestre de couper le ruban et retirer le drap en compagnie de Heini, qui est la petite fille de Marcel Marlier, qui a servi de modèle pour la réalisation de la statue. Alors, vu la passion exprimée par Osvaldo, je ne doute pas que le résultat sera à la hauteur de vos espérances. Il y a, 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 il y a